Si la nouvelle 308 sera surtout vendue en diesel, la gamme comporte quand même trois motorisations essence de 82, 125 et 155 chevaux. Les deux puissances les plus élevées sont obtenues via le même 1.6 THP, d'habitude connu à 155 chevaux et plus. La 308 est pour l'instant la seule du groupe à utiliser cette déclinaison dégonflée. Ce 1.6 THP 125 remplace le 1.6 VTI de 120 chevaux de l'ancienne 308, avec des consommations annoncées en baisse. Il sert également à combler le vide important entre les 82 et 155 chevaux. Peugeot ne le propose qu'en finition active et allure et uniquement en boîte mécanique. Si l'ancienne 308 était déjà bien présentée, la nouvelle fait encore mieux et devient carrément l'une des mieux présentées de la catégorie aux côtés d'une Golf sans complexe. La console centrale très épurée reçoit un écran tactile qui commande presque tout, y compris la climatisation. On retrouve la position de conduite façon 208 avec des compteurs à regarder par-dessus le petit volant placé bas. À l'arrière, l'habitabilité sur la banquette est moyenne pour la catégorie, surtout en largeur. En revanche, le coffre dépasse les 400 dm3, un excellent chiffre pour la catégorie. Avec 125 chevaux pour un 1.6 turbo, on n'est pas dans les standards actuels de la production. Renault fait aussi bien avec un 1.2. Malgré cela, le 1.6 THP dégonflé brille par sa disponibilité à bas régime. On reprend facilement dès 1500 tours. En revanche, rien ne sert de monter dans les tours où le moteur s'essouffle. De plus, la boîte longue complique les relances sur les derniers rapports. N'hésitez pas à rétrograder. On retrouve avec plaisir en revanche l'excellent châssis de la 308 avec notamment un train avant très précis et difficile à prendre en défaut. Pour ce qui est de l'agrément, ce 1.6 THP fait mieux que le 1.6 VTI qu'il remplace grâce à un couple plus important et disponible bien plus tôt. Côté consommation, il n'y a pas photo non plus, il réclame plus d'un litre de moins en moyenne et cette 308 devient carrément l'une des plus sobres dans la catégorie. Au risque d'agacer les amateurs d'allemande, cette 308 n'a pas grand chose à se reprocher. Châssis impressionnant, consommation maîtrisée, présentation impeccable, grand coffre, équipement fourni, le tout avec un prix raisonnable, et en plus, elle est fabriquée en France.